premier épisode de cette série, Stéphane et Adrien ont décidé de faire étape au cœur des Flandres, sur les hauteurs du mont Cassel, à la découverte d'un rucher. La propriétaire des lieux vous présentera son joli projet nature, l'occasion pour nous d'y découvrir quelles mathématiques y sont cachées. Pour finir, Stéphane et Adrien iront à la rencontre des abeilles. Alors, nous voilà à la Casseline et on va aller rencontrer Céline. Bonjour. Enchanté, Stéphane. Bienvenue à la Casseline. Et Adrien. Voilà, on se tutoie, on se vous voit. On peut se tutoyer. On se tutoie, okay. Bon, bah, ça marche. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu déjà l'origine du site, le projet, la Casseline, qu'est-ce que c'est? Alors, la Casseline, c'est à la fois une association et une ferme qui partagent le même terrain dans l'idée de partager la nature et d'en prendre soin ensemble. Voilà, elle appartient à tout le monde. Donc nous, le site, il est ouvert en permanence. On peut venir pique-niquer, on peut venir voir ce qu'on cultive. On peut aussi y mettre un petit coup de main à la pâte si on veut. D'accord. Et l'idée, au tout départ, c'était... moi, je pensais faire de l'apiculture. Et je me suis très 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 vite rendu compte que les abeilles manquaient crucialement de fleurs. Donc on met des abeilles partout, mais elles n'ont pas de couvert. Donc faut d'abord se soucier, en fait, si on veut vraiment aider la nature, fleurissons et les abeilles se porteront beaucoup mieux. Ce qui est important, c'est qu'il y ait l'ensemble de la chaîne qui soit présente, parce que s'occuper des abeilles, c'est s'occuper des plantations. Et transformer toutes ces fleurs, etc., c'est aussi s'occuper de nous par notre alimentation. Donc pour moi, la chaîne est bouclée. Et puis l'idée aussi, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur l'abeille à miel, mais aussi de voir l'intérêt de chaque plante pour tous les insectes. Voilà, donc c'est ici, c'est devenu un refuge pour pollinisateurs. À partir du moment où vous voyez, il y a de la fleur, il y a de la vie. Il y a deux sites en fait, il y a ici 4 hectares et il y en a un peu plus loin là-bas. À vol d'abeilles, c'est 300 mètres. Hein. Et on a aussi 8 hectares. Donc on est sur 12 hectares au total. 12 hectares au total. Okay, voilà. Donc presque au cœur de Cassel en fait, on est à deux pas. On est à 250 mètres du centre-ville. Là, voilà, c'est extraordinaire. Pour les gens se rendent compte, ce qui est super, c'est qu'effectivement on est tout près, on vient de descendre de la Grand Place et puis là on a une vue dégagée parfaite sur la campagne flamande, magnifique. Donc ça, l'agastache, c'est ça? Oui. D'accord. Alors ça, si vous le prenez, c'est très très mentholé. Ok. Donc ça se mange? Ça se mange. On fournit les restaurants en fleurs fraîches. Hein. La sauge du Mexique. Qui donne un petit goût sucré. Alors après l'agastache, vous avez peut-être en devoir manger deux ou trois pour le sentir. Parce que c'est assez fort l'agastache, mais ça donne des belles colorations rouges. Et je fais une gelée de fleurs aussi, qui a un petit goût de fraise des bois. Très sympa. Alors on a régulièrement des classes et c'est aussi pour ça qu'on a des petits panneaux pédagogiques qui vont expliquer l'intérêt de la plante en fonction des différents pollinisateurs. Donc, et on y voit l'intérêt culinaire, l'aspect médicinal et comment les cultiver. Et ça, on a des partenariats avec des établissements scolaires. On essaye vraiment de porter les connaissances accessibles à tout le monde. Voilà le fenouil, on le connaît tous pour le bulbe, mais avec la fleur, moi je fais de la gelée, je fais du sirop. Et si vous cueillez une petite fleur comme ça, vous mangez, c'est du ricard sans alcool. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est intéressant. Enfin, pas pour tout le monde, mais ça c'est extraordinaire parce que ça me rappelle ce qu'on appelle en mathématiques les fractales. Voilà. C'est des formes qu'on retrouve effectivement... En zoomant, on retrouve la forme de départ en fait, c'est un petit peu ce qui se passe ici, on a un motif. D'accord. On trouve le même motif. Voilà. Voilà, un zoom perpétuel pourrait enfin nous faire remarquer que c'est toujours la même forme qui se répète. Quoi. D'accord. Comme sur les feuilles de fougère, par exemple. Dans les choux aussi, les choux romanesco, c'est un bel exemple de fractal mathématique. Alors on parle mathématiques, mais qu'est-ce qu'une circonférence? Un tronc d'arbre. Voilà, oui. On a fait nos tabourets, nos chaises avec des troncs d'arbres, mais c'est quoi une circonférence? C'est quoi un diamètre? Et on le voit concrètement et on mesure et on fait des... Vraiment, appliquer les mathématiques à la vie quotidienne sans qu'on s'en rende compte. Parce que, bon, allez, je peux le dire, il y a plein d'élèves qui me disent « mais je ne vois pas à quoi ça sert ». Alors oui, là, on le voit. On le sait, nous on sait à quoi ça sert, mais on sait aussi que les élèves ne savent pas toujours à quoi ça sert. Voilà, c'est quoi une droite? À quoi ça sert une droite? Ce qui est rigolo, c'est qu'on a toujours l'impression que les mathématiques, on est toujours dans l'abstraction, qu'on est déconnecté de la réalité, alors que finalement ça peut être tout le contraire. On peut vraiment au quotidien se rendre compte que les mathématiques sont vivantes et se rencontrent à chaque coin de rue, et comme ici. Enfin voilà, on discute depuis 10 minutes et on a déjà pris 4 ou 5 exemples différents.
L'origine des mathématiques, de toute façon, c'est quand même les choses concrètes. Par exemple, la géométrie, c'était la mesure de la Terre au départ. Puis bon, à force, effectivement, on développe. Les nombres, l'arithmétique, ça s'est développé avec le commerce. Et je vois une ruche là-bas, c'est pas une vraie ruche, si c'est une... Alors ça, c'est une ruche pédagogique. Pour d'accord, montrer, on peut aller jeter un coup d'œil. Oui, parce que... Ce qui nous intéresse, c'est la forme des alvéoles dans les ruches. Alors, eh bien, dans une ruche, il y a forcément la planche d'envol. D'accord. Et ici, on a ce qu'on appelle le corps, oui. Où il y a la reine qui va pondre. La reine, c'est une abeille différente déjà à la base, ou c'est une abeille quelconque qui devient reine? En fait, tous les œufs sont identiques au départ. Oui. C'est le nourrissement qui va faire de cet œuf une reine, un faux bourdon, donc le mâle, ou une ouvrière. Okay. Et donc, la reine est exclusivement nourrie de gelée royale et va naître au bout de 16 jours, tandis que les ouvrières, 21 jours et les mâles, 24. Alors, l'abeille a plein de métiers, hein. Elle est d'abord nettoyeuse, elle va naître et puis elle va nettoyer sa cellule. Et puis après, elle va être nourrice pour les autres. Elle va être cirière ensuite. Elle va fabriquer les alvéoles dans lesquelles les œufs vont être pondus. Et donc ça, je mets au défi n'importe quel prof de mathématiques de me faire ça sans règles, des hexagones parfaits. C'est le savoir-faire de Madame Abeille Cirière. Et alors, la question, c'est pourquoi font-elles des alvéoles en forme d'hexagone et pourquoi pas comme les pavés de Cassel? En carré. Rectangulaire, ouais. Carré, voilà. Rectangulaire, carré. Pourquoi pas un pentagone? Pourquoi pas, je sais pas, un triangle? Pourquoi pas en triangle? Eh bien, vous me posez une colle. C'est peut-être la seule chose pour laquelle nous, on a peut-être élément de réponse. Donc, on va t'expliquer ça. D'accord. Et on va vous expliquer ça à tous. La structure en alvéoles d'abeilles, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle un pavage. Il en existe une multitude, les possibilités sont infinies. Certains sont l'œuvre de l'homme, qui y trouve souvent un sens esthétique et pratique. On peut penser à certains carrelages, certaines œuvres d'art, ou encore aux pavés qui chaussent les rues comme à Cassel. D'autres ont été façonnés par Dame Nature. Je pense là, par exemple, à la chaussée des géants en Irlande du Nord. Et comme on vient de le voir, les insectes, ici les abeilles, aussi font dans le pavage. Parmi tous les pavages que l'on peut créer, certains sont dits réguliers. Ce sont ceux qui sont constitués d'un seul type de polygone régulier, c'est-à-dire de polygone où tous les côtés sont égaux et inscriptibles dans un cercle. Les alvéoles de la ruche forment un pavage régulier. Mais pourquoi des hexagones? Pourquoi pas des carrés, des pentagones ou même des dodécagones? Eh bien déjà, les abeilles n'ont en fait pas tant de choix que ça. Réaliser un pavage avec des pentagones réguliers ou des dodécagones réguliers, par exemple, ce n'est pas possible. C'est même pire que ça. Il n'y a en fait que trois polygones réguliers avec lesquels il est possible de paver le plan. Et ces polygones sont les triangles équilatéraux, les carrés, les hexagones réguliers. C'est tout. 3, 4 ou 6 côtés, rien d'autre. Vous vous demandez pourquoi il n'y a que trois possibilités? Si vous ne vous sentez pas spécialement mathématicien, nous avons l'honneur de vous dire que vous commencez à le devenir. Eh oui, quand on cherche à comprendre pourquoi, quand on veut des preuves plutôt que de croire sur parole, quand on ressent le besoin de justifier ses propos, on est au cœur du travail de mathématicien. Alors d'accord, on vous explique pourquoi il n'y a que ces trois pavages réguliers qui sont possibles. Un polygone, ça a au moins trois côtés. Commençons donc par nous intéresser aux triangles équilatéraux. Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés. Je commence à réaliser mon pavage à partir d'un triangle en remplissant autour du sommet rouge. Je positionne un deuxième triangle équilatéral, puis un troisième, etc. Je peux en mettre 6 en tout, puisque 6 fois 60 degrés, ça fait 360 degrés, et que 360 degrés, c'est pile poil un tour complet. Et je peux continuer ainsi à paver tout le plan. Voilà un joli pavage à base de triangles équilatéraux. Intéressons-nous maintenant au carré. Les angles d'un carré valent 90 degrés. Comme tout à l'heure, une fois le carré de base placé, je positionne le deuxième carré, puis le troisième, et enfin le quatrième. Ça s'emboîte à nouveau parfaitement. Cela s'explique facilement. 4 fois 90 degrés, ça fait pile poil 360 degrés. On peut donc paver le plan avec des carrés. Tentons le coup avec des pentagones réguliers. Tous les angles valent cette fois-ci 108 degrés.
Je place le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ah bah non, pas de quatrième pentagone possible. Et avec seulement 3, ça ne suffit pas à couvrir les 360 degrés. C'est normal. 3 fois 108 degrés égale 324 degrés. C'est plus petit que 360. On ne couvre pas la totalité. Et 4 fois 108 égale 432, c'est plus grand. Ça se chevauche. On ne peut donc pas réaliser de pavage avec des pentagones réguliers. Avec des hexagones réguliers ? Là, oui, c'est possible. Puisque chaque angle vaut 120 degrés et que la division tombe juste 360 degrés, c'est 3 fois 120 degrés. On peut donc positionner 3 hexagones et réaliser ainsi un pavage. Avec des heptagones réguliers, ça ne marche pas. Des octogones réguliers, non plus. En fait, ça ne fonctionnera pour aucun polygone régulier avec plus de 6 côtés, puisque les angles deviennent de plus en plus grands et dépassent 120 degrés. On n'arrive donc plus à emboîter 3 polygones. 3, c'est trop. Mais 2, ce n'est pas assez pour réaliser un pavage. Il n'y a donc que ces 3 pavages réguliers possibles. Voilà, on vient de faire une jolie démonstration de cette affirmation. Mais pourquoi parmi ces 3 pavages, celui choisi par les abeilles est-il le pavage hexagonal ? Si on observe de plus près ce magnifique travail de la nature, on verra que les côtés de chaque hexagone mesurent environ 3 mm. Ce qui fait que le périmètre de chaque hexagone est de 18 mm et que l'aire est de 23,38 mm². Si le pavage de la ruche était carré, pour une même aire de 23,38 mm², le périmètre serait alors de 19,34 mm. Et pour le pavage triangulaire, avec toujours cette même aire de 23,38 mm², on aurait un périmètre de 22,04 mm. On constate qu'à aire égale, c'est donc l'hexagone qui a le plus petit périmètre. Ainsi, parmi les 3 pavages réguliers possibles, c'est donc le pavage hexagonal qui nécessite le moins de cire pour construire les alvéoles tout en pouvant stocker la même quantité de miel. Les abeilles seraient-elles un brin mathématicienne ou économe ? En réalité, le sujet est un petit peu plus profond encore que ce que nous venons de vous expliquer, car les alvéoles en ont justement de la profondeur. Et là aussi, c'est joli. Regardez la forme, en 3 dimensions, de ces alvéoles. En particulier le fond. C'est curieux, non ? Il faudrait bien sûr prendre cet élément en compte dans les calculs qui précèdent, mais nous n'irons pas jusque-là dans cette vidéo. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. On pourrait, par exemple, se demander s'il n'y a pas encore un pavage plus optimal parmi tous les pavages existants, qu'ils soient réguliers ou non. On touche là des mathématiques d'un niveau beaucoup plus haut. La réponse à cette question a été apportée en 1999. C'est tout récent et porte le nom du théorème du nid d'abeille. Allez, on est prêt, on s'en va voir les ruches. C'est parti. Tu me fais penser un petit peu au professeur Tournesol. Et donc, Céline, ça c'est un enfumoir, c'est pour quoi faire alors ? Le principe c'est de reproduire le feu de forêt. Dans la nature, la première chose que vont faire les abeilles, c'est protéger la reine. Donc elles vont être moins préoccupées par nos actions et elles vont se concentrer sur se gorger de miel et protéger la reine. Donc voilà, on dit que ça les désoriente, mais en fait c'est plutôt... Ouais, exactement. Alors Kenyan, comme son nom l'indique, voilà, elle vient d'Afrique. Et en fait, traditionnellement, ici en France, on a l'abbé Varé qui a créé ces ruches de petit format, qui sont plus en correspondance avec la taille d'un tronc d'arbre dans la nature. Et vous avez les dadans, qui elles sont plus des ruches de production et de grosses colonies. Donc là, si vous écoutez, ça va commencer à bourdonner à l'intérieur, en se disant « Oh là là, il se passe quelque chose dehors ». Alors, 80 000 abeilles, vous êtes prêts ? Impressionnant. Elles sont calmes, vous voyez, ça va les faire rentrer tranquillement. Pas besoin d'en fumer trop, mais voyez la réaction, hop.
essayer de voir s'il y en a qui construisent, hein, qui se mettent la tête dedans pour comprendre si, pourquoi c'est en rond. Alors vous avez une chance inouïe, vous avez la reine ici. Voilà. Ah, elle est marquée de rouge. Ah, c'est super. Là vous avez les cellules des mâles, elles sont un peu plus grosses. Parce que les mâles, ça c'est un début de cellule royale, c'est ce qu'on appelle une amusette. Mais voyez, la reine, elle va aller se planquer. Hein. Elle n'aime pas la lumière, la reine. Ah ouais, ça y est, on la revoit là, à nouveau. Elle vient de se planquer. Voilà, elle est là-haut. Alors, elle est où? Que je ne lui fasse pas de mal. Alors, du coup, je fais la question à la vieille. Comment vous arrivez, vous, à identifier la reine avant de la marquer pour savoir que c'est... Elle est un peu plus grosse? On la cherche, ou... ouais, elle est plus grosse. Ouais. Vous voyez, regardez sa taille, elle est beaucoup plus grosse. Que... Alors, il y a deux façons de récolter le miel. Ouais. Les cadres, là, on peut les mettre dans une espèce de centrifugeuse. Ouais. Le miel va s'éclater sur les parois de la centrifugeuse. D'accord. Et après, vous les remettez dans la ruche. Ça permet de sauvegarder un peu la cire, parce qu'il faut compter 10 kg de miel pour 1 kg de cire. Dans les premiers alvéoles que je vous ai montrés, c'était juste des barrettes. Mmh. Et ça, moi, je coupe, j'écrase la cire, et elles vont reconstruire. Elles reconstruisent. Ce qui permet d'avoir toujours de la cire très propre. Mmh. Allez. On va les faire rentrer tranquillement comme ça. Voilà, voilà. Eh ben vraiment un grand merci. C'est vraiment, vraiment super. Ouais, c'est ce que je propose aussi en initiation apiculture. Je fais avec les écoles aussi, avec les gamins, faut vous imaginer. Ah, ça doit leur, ça doit leur plaire. Merci pour toutes ces explications, c'était merci, super. Et puis l'expérience des ruches, c'était incroyable, oubliable. Découverte pour moi. Pareil, moi aussi. Et alors pour finir, tu disais qu'il était possible d'adhérer à l'association. Alors l'association La Casseline, vous pouvez aller sur le site lacasseline.fr et puis il y a mon contact et je peux transmettre le petit bordereau d'adhésion. D'accord, super. Bah, c'est super. Bon, bah, Céline, voilà. Encore un grand merci. Un grand merci de l'accueil. Et puis à une prochaine fois, on reviendra de toute façon. Goûter des plantes et puis acheter du miel et puis voilà, profiter et des sirops, enfin de tout. Bah, de toute façon, le site est ouvert. Vous venez quand vous voulez pique-niquer et sur place, moi je fais goûter parce que c'est assez insolite. Ouais. Personne ne connaît la gastache. Non, c'est vrai. La menthe chocolat, super. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Un grand merci. Au à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Après une journée riche en découvertes, Stéphane et Adrien reprennent la route dans leur coccinelle jaune. Direction la ferme Bonne à Sainte-Marie-Capelle, où ils vont tenter de percer les secrets de son labyrinthe de maïs.